Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler du livre partage du psychodon que j'ai écrit chez RS, 50 chansons pour la santé mentale. Il était cohérent après 5 Olympiades du psychodon pour déstigmatiser les personnes concernées par une maladie psychique avec les artistes de la pop. Et ils sont venus nombreux chanter, que ce soit Julien Clerc, Patrick Bruel et bien sûr Yannick Noah, notre parrain, mais plein d'autres, je ne pourrais pas tous les citer ici. Les chansons, elles sont toutes inscrites dans notre inconscient collectif et elles évoquent toutes une des émotions majeures de la santé mentale. Quand Benjamin Biolay nous chante qu'elle est à peine, il évoque la dépression. Et quand Yannick Noah chante aux arbres citoyens, il évoque l'éco-anxiété. Soyez nombreux à emmener dans vos valises 50 chansons pour la santé mentale. C'est un livre partage pour soutenir la recherche, les personnes concernées par un trouble psychique, les actions de prévention auprès des jeunes sur les territoires pour éviter l'errance thérapeutique. Et puis c'est en même temps un livre de plage, allez, entre une sieste et la crème solaire, vous pourrez mieux connaître Banana Split de Lio, mais pourquoi pas, comme d'habitude de Claude François, savoir d'où viennent ces chansons, ce qu'elles disent de nous, ce qu'elles nous disent de nos relations au monde et aux autres. 50 chansons pour la santé mentale, je compte sur vous pour être très nombreux à le partager et à le lire avec d'autres. C'est l'occasion de demander à l'autre, et toi, comment tu vas et quelle chanson évoque pour toi la joie ou la peine. Au revoir et à bientôt.